Monsieur le préfet de la région du Bélier,
préfet du département de Yamoussoukro, messieurs les représentants et messieurs le gouverneur du district de Yamoussoukro, monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Pourvoyou pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, madame la représentante de Rotary International, madame la présidente de l'Université d'Abidjan, docteur Dieneba Doumbia, directeur du département de recherche de la paix, mesdames et messieurs les directeurs de chef des services, messieurs les ministres des cultes, honorables chefs de notables traditionnels, honorables invités, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, les charges de mes fonctions et les braves populations de Yamoussoukro, représentées ici par les chefs des traditionnels, me prescrivent l'agréable devoir de vous accueillir et de vous saluer chaleureusement, avec tout le respect dû à vos rangs et qualités respectives. Je voudrais, mesdames et messieurs, relever avec vous deux symboles qui habillent le forum de ce jour. Tout d'abord, le symbole du choix de Yamoussoukro pour la tenue de la cérémonie. Yamoussoukro reconnu en Côte d'Ivoire et en Afrique comme ville de paix. Ensuite, le lieu, le symbole du lieu où nous nous trouvons en ce moment même, ce prestigieux édifice de la Fondation Félix Pourvoyou pour la recherche de la paix, l'une des signatures infalsifiables de Félix Pourvoyou, qui nous rappelle avec émotion les hauts faits des actions menées en faveur de l'émancipation des hommes par le président Pourvoyou. Mesdames et messieurs, au milieu de la barbarie et de la tourmente des hommes, votre forum sur la paix est une initiative à saluer et à louer. Certes, qui s'inscrit au cœur de toute action politique et de développement digne de respect. Mesdames et messieurs les responsables de la Fondation Félix Pourvoyou pour la recherche de la paix et du Rotary Club, que Dieu fasse que vos travaux connaissent le succès attendu. Donc c'est joyeux à Yamoussoukro. Je vous remercie. Nous invitons ici le professeur Jean-Noël Lecou, secrétaire général adjoint de la Fondation Félix Pourvoyou pour la recherche de la paix. Et de la CDVR, monsieur le préfet de la région du Bélier, monsieur le représentant du gouverneur du district de Yamoussoukro, monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, monsieur le représentant de la présidente de l'université Félix Pourvoyou d'Abidjan Cocody, madame la présidente du Rotary Club Abidjan Akwaba, monsieur le représentant de l'ONUCI, vénérable chef traditionnel, ministre du culte, distingué professeur des universités ivoiriennes, chers invités, mesdames, messieurs, je voudrais au nom du secrétaire général, le ministre Joachim Boni, empêché, au nom de la directrice de notre département de la recherche de la paix, Dr Dieneba Doumbia, au nom de tout le personnel de la Fondation Félix Pourvoyou et à mon nom propre, vous souhaiter la cordiale bienvenue et vous remercier de votre présence distinguée qui donne un éclat tout particulier à notre forum sur la paix. Le président Pourvoyou a laissé comme testament à la Côte d'Ivoire une vocation prioritaire, la paix entre les hommes. Et la fondation qu'il a créée est ouverte à tous les hommes de bonne volonté en quête de la vraie paix. Elle s'efforce, sans tapage, de mener des actions concrètes sur le terrain pour enraciner les valeurs de la culture de la paix et former des citoyens responsables et engagés en faveur de la démocratie. Quoi de plus normal alors de faire chemin avec une organisation comme le Rotary International qui cultive les mêmes idéaux et qui œuvre au quotidien pour la paix par le service. Chers amis rotariens, soyez remerciés de coopérer avec nous et de jeter les bases d'un partenariat que nous espérons mutuellement bénéfique et dont ce forum sur la paix constitue le premier jalon. J'ai plaisir à saluer
la présidente du Rotary Club Akwaba, Madame Ramata Dina Camara, Monsieur Eclador Nana, passe-présidente, qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue effective de ces assises. Je remercie chaleureusement nos autres partenaires, notamment l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, représentée ici par le professeur Atta Kofi, la chaire UNESCO pour la culture de la paix, représentée par le professeur Lézou Dago Gérard, le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, excusez, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, représentée par le professeur Seri Bailly, et des urgences à résoudre. Les travaux du forum s'articuleront en communication en plénière et en réflexion en atelier. Le premier atelier porte sur les acteurs de paix, état des lieux de formation au métier de la paix et perspectives. Le deuxième atelier est consacré au programme de formation à la paix. Le troisième atelier, enfin, permettra d'élaborer la déclaration de Yamoussoukro sur la paix. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces questions que nous vous confions à une réflexion ouverte et approfondie. La paix est rendue dans la culture baoulée par le mot « alagé », qui est polysémique, signifiant tout à la fois bien-être, bonheur, ordre, tranquillité, santé et prospérité. La culture grecque a une approche similaire. Dans la mythologie grecque, en effet, Erénée, la paix, est la fille de Zeus et de Thémis, la loi divine, la sœur d'Eunomie, l'ordre régi par la loi, et de Dike, la justice. Elle est représentée portant un jeune homme du nom de Ploutos, dieu de la prospérité et de l'abondance. Ainsi, une de nos cultures traditionnelles ivoiriennes et notre culture occidentale d'emprunt nous enseigne que la paix se conjugue avec la justice et la prospérité passagère. Mesdames, Messieurs, la paix ici nous rassemble. La paix est possible. Agissons pour la paix maintenant. Je vous déclare la paix. Merci. Sereki. Mesdames et Messieurs, nous vous disons merci. Pour la photo des familles, après la photo des familles, il y aura un cocktail qui vous sera servi.
Donc, nous allons nous retirer. Et la photo des familles se tient. Ces droits ne sont pas respectés, nous semons des graines de mécontentement que les groupuscules de fanatiques ne se privent pas d'exploiter. John Stremlow applaudit ceux qui luttent contre les maladies car la santé est un facteur de stabilité reconnu par les experts. Mais la paix passe aussi par l'établissement d'une structure politique. Car à quoi bon soigner une personne si c'est pour la laisser se faire agresser pour son origine ethnique? C'était aussi une situation de John Stremlow. L'obligation d'organiser des élections libres et justes est implicite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ajoute-t-il. La participation des ONG à la surveillance des opérations électorales et d'ailleurs pour elle un moyen clé de faire avancer la paix. Ayant lui-même surveillé pour le Centre Carter le déroulement des élections dans plusieurs pays africains, il sait donc à quel point la pression extérieure est essentielle pour faciliter une passation de pouvoir démocratique et sans heurts. Sans vouloir surévaluer notre importance, je crois que si le Centre Carter et les autres groupes impliqués n'avaient pas été présents sur place, le résultat réel de ces élections n'aurait pas été ratifié et la passation de pouvoir n'aurait pas eu lieu, explique-t-il. Pour les Nations Unies, l'assistance en matière électorale devient d'ailleurs un élément majeur des opérations de soutien à la paix. Ce fut le cas en Afghanistan, au Burundi,
en République démocratique du Congo, au Timor-Leste, en Haïti, en Irak, au Libéria, au Népal et en Côte d'Ivoire, soit plus de 140 millions d'habitants et 64 millions d'électeurs qui ont ainsi pu exercer leur droit de vote. Ces élections ont permis de démontrer qu'investir dans la paix et la stabilité est un pari payant d'un point de vue socio-économique. Y participer était émouvant, dit-il. C'était une façon de dire au monde que la démocratie est partout possible. Au chapitre de l'éducation et de la santé, mesdames, messieurs, pour ce qui me concerne, le premier obstacle à franchir dans le processus de résolution d'un conflit est l'absence de dialogue. Sans communication, comment sensibiliser aux différences culturelles, aux problèmes les plus aigus et à leurs solutions éventuelles? Le simple fait d'arriver à établir le dialogue entre deux adversaires est un premier pas vers un échange, vers une compréhension mutuelle. Il est aussi essentiel, et c'est un domaine dans lequel le Rotary excelle, l'alimentation, l'éducation de base et les soins de santé. Les individus souffrant d'une pénurie de ces ressources n'ont rien à perdre. En bonne santé et bien éduqué, est moins exposé au conflit et est mieux à même de se développer et de vivre en paix. Les gouvernements corrompus représentent un obstacle majeur à la paix et au développement. Personnel. Seule une population éduquée peut se dresser contre ces pratiques. C'est important. Je crois que l'amitié peut rendre la paix possible. Ils sont les leaders de demain et leur expérience internationale leur permettra de prendre des décisions bénéfiques. Malgré toute sa violence, le siècle dernier a aussi vu la création de nombreux programmes d'éducation à la paix, celui des centres du Rotary. Nous fondons de grands espoirs dans ces programmes qui sont en éducation des jeunes à la médiation et la résolution des conflits. Une nouvelle génération d'experts arrive, compétente et pleine d'enthousiasme. Les diplômés des centres du Rotary travaillent réellement pour la paix, y compris en poussant les Nations Unies à faire davantage. Les nations et individus pourraient en faire plus pour la stabilité mondiale, en particulier dans le domaine de la prévention des maladies. Nous ne pouvons plus accepter que 10 millions d'enfants meurent chaque année de maladies évitables. Nous devons mettre un terme à ce scandale. Une raison d'espérer ? Les artisans de la paix défendent l'idée que le chemin de la paix, une meilleure éducation et de réels acquis sanitaires. Leurs convictions se fondent sur des faits. Au camp de réfugiés voisins, où les casques bleus interviennent, la paix avance aujourd'hui dans le monde. D'après le rapport sur la sécurité humaine de l'année 2005, un programme de recherche de la Simon Fraser University de Vancouver, au Canada, s'est accompagné d'une baisse de 40% du nombre de conflits armés dans le monde et de 80% du nombre de conflits les plus meurtriers, soit ce faisant, plus de 1000 morts au combat. Selon ce rapport, le Conseil de sécurité n'étant plus paralysé par la guerre froide, nous avons assisté à une augmentation des activités de prévention, de médiation et de construction de la paix menées par les Nations Unies.
Malgré les génocides au Rwanda en 1994 et en Bosnie en 1995, il y a eu un déclin de 80% du nombre de morts dans des conflits d'origine religieuse, ethnique ou politique. Le rapport continue en précisant que depuis le début des années 90, grâce aux efforts de plus en plus souvent couronnés de succès des artisans de la paix, plus de conflits se terminent par des accords négociés que par la victoire de l'un des belligérants. Le fait qu'un tiers de ces accords deviennent caducs dans les 5 ans doit toutefois relativiser cette réussite. Le rapport confirme aussi la corrélation entre conflits armés et pauvreté. Les États les plus stables s'appuyant sur un PIB plus élevé qui leur donne les ressources nécessaires pour combattre les rébellions éventuelles et en traiter les causes. Le lien entre paix et démocratie est conforté par le constat que le déclin du nombre de conflits a eu lieu en même temps que la proportion de pays démocratiques passait de 26% en 1975 à 58% en 2005. Les pays les moins violents sont en général les démocraties, explique Steven Pinker, professeur de psychologie à Harvard et auteur de The Better Angels of Our Nature, How We Became Less Violent. L'objet est de démontrer le mythe d'un monde de plus en plus violent. Contrairement à la croyance largement répandue que nous vivons une époque extrêmement violente, nos ancêtres étaient bien plus violents que nous. L'espèce humaine n'a sans doute jamais connu une période aussi pacifiée. En 2009, à l'occasion du Symposium pour la paix de Birmingham, Jan Egeland, directeur de l'Institut norvégien des affaires internationales et vétéran des Nations unies, déclare que les conflits sont aujourd'hui principalement internes, qu'il s'agisse de guerres civiles, de conflits intertribaux ou de crises d'origine religieuse, ethnique ou culturelle, comme les artisans de la paix de demain ne participeront pas à des négociations entre grands pays. Mais les souffrances des populations civiles, des femmes et des enfants victimes des guerres. C'est par John Mueller, professeur de sciences politiques à l'Université d'Ohio State et auteur du livre Atomic Obsession. En Afrique, les activités les plus violentes proviennent aujourd'hui plus d'entreprises criminelles que de raisons politiques, ce qui n'améliore en rien le sort de leurs victimes. J'étais témoin de la fin des guerres entre pays et les menaces posées par les organisations extrémistes sont largement surestimées en Mali et en Somalie. La possibilité de créer une bombe nucléaire est à mon sens faible. Si la théorie de M. Mueller devait se confirmer, nous serions en train d'assister à l'un des moments les plus intéressants de l'histoire de l'espèce humaine. Que signifie-t-il que nous sommes sur la voie de la paix? En être certain serait basculer dans de l'utopie. Bonne voie. Reconnaissons que sans être une armée de justiciers en marche pour sauver le monde, de par la disponibilité dont vous faites preuve en participant, votre détermination à œuvrer pour que la paix soit possible. Je suis optimiste dans le devenir de l'humanité. Pour terminer mes propos, je partagerai avec vous une citation de Dorothy Thompson que j'aime bien, journaliste américaine de renom et commentateur politique qui rendait compte, et y vivait également, de l'Allemagne pendant le régime nazi. Elle a dit « La paix doit être créée pour être maintenue ». C'est le produit de la foi, de la force, de l'énergie, de la volonté
de la sympathie, de la justice, de l'imagination et du triomphe des principes. Elle ne sera jamais réalisée par la passivité. Merci de votre attentive écoute. Encore plus d'acclamations pour accompagner Madame la Présidente. Inviter le professeur Lézou, qui est le président du comité scientifique, à intervenir par rapport au thème qui vient d'être développé. Concept de paix. Après avoir passé en revue plusieurs aspects du concept, elle a fini par dire que la définition de la paix est une affaire personnelle et que tout le monde n'a pas la même définition ou les mêmes contenus de la définition. La deuxième partie fait un clin d'œil au XXe siècle et a montré que ce siècle a été l'un des plus meurtriers, est le plus meurtrier jusqu'à ce jour, le plus meurtrier, le plus sanglant de l'histoire de l'humanité. Alors, à partir de là, peut-on se poser la question de la possibilité d'une paix, de la fin des guerres. Puis, elle est passée donc au début du XXIe siècle, dont l'avant-veille a connu ce qu'on a appelé la chute du mur de Berlin, et au cours de laquelle période les guerres ont changé de mode opératoire. Les guerres entre États sont presque terminées, et maintenant c'est des guerres interethniques et du terrorisme, etc. Donc, c'est une période particulièrement difficile où les acteurs de paix deviennent difficiles à trouver parce que l'État lui-même est débordé. Il faut d'autres types d'acteurs de paix. Et c'est ensuite de poser la question des causes profondes des conflits. Entre-temps, elle a fait observer qu'il y a 10 millions d'enfants qui meurent chaque année de maladies qu'on peut éviter. Et donc, parmi les causes, il n'y a pas seulement les faits politiques, c'est vrai qu'il y en a, c'est les plus nombreux. La séance se poursuit. À présent, nous allons passer à la présentation de la Fondation Principal Boigny pour la recherche de la paix, une institution originale au service de la paix. Je vais commencer mon intervention par une citation. Félix Houphouët-Boigny disait le 30 juillet 1973, à l'ouverture de la première partie de la 61e session du Conseil économique et social des Nations Unies à Abidjan, que, je cite, « Rien de la recherche de la paix ne changera tant que les hommes d'État n'auront pas fait de la recherche de la paix autre chose que l'habillage de leur politique. Tout changera lorsque cette recherche de la paix sera devenue l'objet essentiel, réel, de leurs préoccupations et leur seconde nature. Les intérêts qu'ils défendaient alors leur paraîtront, en ce moment-là, bien dérisoires et pervers. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, en organisant ce forum avec des partenaires, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix démontre ainsi son engagement pour un projet de formation à la citoyenneté démocratique et sa détermination à promouvoir les valeurs de la culture de la paix. Les défis de nos formations sont d'ordre philosophique, politique, éthique, culturel et pédagogique.
En effet, c'est en éduquant de manière implicite les jeunes et toutes les couches sociales à la culture de la paix et au processus de réconciliation que tous les bénéficiaires de nos formations joueront un rôle important dans l'instauration de la paix positive qui nécessite de multiples approches. Pour notre fondation, l'enjeu est vital. Elle veut le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Mais elle souhaite que cela se fasse dans un environnement sain et propice aux valeurs de la culture de la paix, un environnement que toutes les citoyennes et tous les citoyens seront fiers de transmettre aux générations futures. Quelles sont les missions et les objectifs de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix? Avant de présenter les missions et les objectifs de la Fondation, j'aimerais vous présenter Félix Houphouët-Boigny. Qui est Félix Houphouët-Boigny? Félix Houphouët-Boigny est né en 1905 à Ngokro, Yamoussoukro, décédé le 7 décembre 1993 et surnommé le Sage. Est le père fondateur de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En 1993, Félix Houphouët-Boigny a joué un rôle de premier ordre dans le processus d'émancipation des peuples africains. En effet, l'homme rêvait de voir un monde de paix. Il a alors entrepris plusieurs œuvres en faveur de la paix. Il tenait un langage qui prônait les valeurs de la paix. Nous retiendrons trois valeurs qui riment avec le sage de l'Afrique. La première valeur est la tolérance. Houphouët-Boigny la considérait comme une condition nécessaire pour soustraire l'Afrique et la Côte d'Ivoire des conflits idéologiques qui ne peuvent être que nuisibles au développement. La deuxième valeur de la paix sur laquelle Houphouët-Boigny insistait également est celle du dialogue qu'il n'hésitait pas à présenter comme la vocation naturelle de la Côte d'Ivoire. Alors, il optera courageusement celle qui retenait le plus l'attention du président Houphouët-Boigny. Elle était au cœur de sa philosophie de paix dans la création de certaines organisations régionales telles que le Conseil de l'Entente, par exemple. Houphouët-Boigny, homme de foi et homme engagé, avait fini par prendre connaissance de cet engagement pour la paix que l'UNESCO a créé un prix portant son nom et qui est destiné à honorer ceux qui recherchent ou œuvrent pour la paix. Cet architecte des temps modernes est également fondateur de plusieurs édifices. La basilique Notre-Dame de la paix, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui nous abrite aujourd'hui. Mais la paix. J'espère que je pourrai continuer à lire dans le noir. Mais quelles sont les missions de la Fondation? La Fondation s'inscrit dans la dynamique de la promotion de la culture de la paix et se donne comme principale mission d'établir une culture de la paix au niveau national et international, de préparer, de former et d'éduquer à la citoyenneté et à son exercice à tous les niveaux, de mettre en place des mécanismes et des institutions d'établissement et de renforcement de la paix, de créer un cadre de dialogue, d'échange entre les nations, les communautés. Quelles sont les activités de la Fondation? Il y a des activités de recherche. Les recherches effectuées par la Fondation Félix Houphouët-Boigny sur la culture de la paix et la réconciliation. Ces recherches permettent d'avoir des repères conceptuels, méthodologiques, historiques et thématiques. De nombreuses autres recherches sont en cours. Quant aux activités de formation, nous avons fait un certain nombre de séminaires sur le terrain. Des séminaires, des ateliers et des cours constituent le programme de formation que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix met en place pour sensibiliser, former et éduquer les populations.
d'un séminaire à l'autre, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix s'est activement employée à animer à travers le pays des séminaires sur l'éducation à la paix, à la démocratie et à la réconciliation. De 2007 à 2012, pas un mois ne s'est écoulé sans qu'elle n'ait été sollicitée ici et là pour la mise en œuvre d'une rencontre dédiée à la paix, et le plus souvent avec la collaboration inestimable de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, que je remercie de tout cœur. C'est dire que les besoins de paix et de réconciliation sont réels dans ce pays. Après les moments douloureux que nous avons vécus en Côte d'Ivoire, les participants au séminaire organisé par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et de l'ONUCI ont parlé sans faiblesse. La réconciliation vraie, réussie et authentique permettra aux populations ivoiriennes de renoncer à la culture de la violence pour assumer leur histoire, accepter la diversité et briser les barrières de la communication. Il importe donc de travailler à un changement profond d'attitude et de comportement et à une reconversion des mentalités. Le plaidoyer pour une école démocratique. La Fondation Félix Houphouët-Boigny fait un plaidoyer pour une école démocratique car nos écoles et nos universités doivent former des citoyens responsables, actifs, capables de s'impliquer dans la prise de décision et favoriser leur engagement citoyen pour la paix et le développement. Les stages à la Fondation de Félix Houphouët-Boigny. La Fondation accueille et encadre les stagiaires et les étudiants désireux de se former dans le domaine de la culture de la paix, de la citoyenneté et de la réconciliation. Pour aller plus loin dans cet encadrement, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix accueille et organise les travaux des stagiaires en vue de leur initiation ou perfectionnement au travail de paix et à l'intervention non violente dans les conflits. Elle répond aux demandes d'informations relatives au contenu, méthodes et approches pédagogiques concernant l'éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix. Elle suscite l'innovation pédagogique en matière d'éducation à la culture de la paix, offre un cadre d'apprentissage des valeurs de la culture de la paix, institue un cadre d'échange et de dialogue, offre un cadre de recherche et d'expérimentation, favorise la participation des stagiaires à différentes activités, ateliers, séminaires, colloques, tables rondes, prospection, symposiums, enquêtes, visites de terrain, etc. Implique les stagiaires dans les activités des ONG et des institutions nationales et internationales œuvrant pour la résolution pacifique des conflits et pour la promotion de la culture de la paix et de la réconciliation. Elle exploite le terreau fertile que propose le terrain. Et la Côte d'Ivoire est un bel exemple, un potentiel pour ce genre d'approche. Elle exploite le terrain, comme je dis, le terreau fertile que propose le terrain. Elle encourage toutes les formes de production, dossiers, articles, reportages, films, rapports, outils pédagogiques, etc. Elle favorise le réseautage des stagiaires, des acteurs et des spécialistes de paix. Alors, la Fondation a également de nombreux projets. Avec la crise, nous n'avons pas pu exécuter tous ces projets, mais je vais vous présenter quelques-uns pour que vous voyez un peu les grandes orientations qui se dégagent. Il y a les projets d'activités socioculturelles pour magnifier et faire ancrer la paix dans nos cultures et pratiques quotidiennes. Nous allons organiser une biennale des contes, chants et danses traditionnelles célébrant la paix sous toutes ses formes, retrouvailles, réconciliation, partage, pardon, tolérance, solidarité, etc. Perspective de la réalisation d'un tel musée, nous envisageons des expositions sur Félix Houphouët-Boigny et d'autres figures historiques de paix. L'existence d'un musée de la paix constitue résolument des sources d'informations et de matériel didactique pour les enseignants chargés de dispenser des cours sur la culture de la paix. Alors, un autre projet, promouvoir l'éducation à la paix. Ici, un accent sera mis sur la production d'outils pédagogiques. Et je crois que cet aspect intéresse le Rotary, puisqu'ils en parlent dans leur projet d'école. La Fondation Félix Houphouët-Boigny
prévoit la publication de brochures pédagogiques qui proposent des repères conceptuels, par exemple les valeurs à transmettre dans une telle éducation, les concepts clés de la réconciliation. Elle propose des repères méthodologiques, historiques et thématiques pour réfléchir et agir dans l'esprit de la culture de la paix, la réalisation de mallettes pédagogiques à destination des enseignants primaires, secondaires et supérieurs et de tout autre public, la réalisation des supports pédagogiques, des livres, dossiers, bandes dessinées, films, documentaires sur la paix et à visée pédagogique. Il y a également un projet d'organisation d'un concours de débats contradictoires. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix envisage d'organiser annuellement un concours national de débats contradictoires sur des thèmes variés. Le concours sera organisé à différents niveaux, collèges et lycées, universités et grandes écoles. L'organisation d'un tel concours peut contribuer efficacement à l'avènement d'une société démocratique en Côte d'Ivoire, à l'image de ce qui se fait, par exemple, dans les milieux scolaires et universitaires des États-Unis et d'Europe. Alors, il y a un autre projet qui concerne les religieux. Ils sont ici présents, les rois et chefs traditionnels. Nous avons un projet de créer une cellule spécialisée en matière de religion, tradition et paix qui favoriserait la contribution des religieux, des rois et des chefs traditionnels à l'instauration de la culture de la paix et de la non-violence et à la promotion de la réconciliation. Pour asseoir les bases d'une telle cellule, un symposium pourra être organisé pour donner à ces leaders d'opinion les connaissances nécessaires pour les amener à utiliser la religion et la tradition comme instrument de promotion de la paix et à établir un dialogue interreligieux, interculturel entre les différentes communautés. Ce dialogue va offrir un cadre idéal et une méthode de concertation sur tous les sujets, même les plus sensibles, sur la base du respect mutuel. Des mécanismes de négociation, de dialogue, de réconciliation, de maintien et de culture de la paix. Il s'agit de faire des recherches sur les modes de gestion de la paix sociale dans les différentes communautés africaines, d'appuyer des recherches sur le patrimoine culturel et social de consolidation du dialogue et de la paix au sein de la famille et de la communauté, de contribuer à partager les expériences d'établissement de la paix et du dialogue et celles de négociation, de promouvoir un espace de diffusion et d'application des résultats des recherches pour consolider la paix et la culture de la paix. Alors, concernant le volet partenariat, on peut dire du partenariat entre la, que peut-on dire du partenariat entre la Fondation et l'association? La Fondation est ouverte sur le monde universitaire, qui a des départements spécialisés dans le domaine de la paix et de la gestion des conflits. Une collaboration de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix avec ses institutions universitaires et les ONG ou à nos spécificités contre le monde pacifique. En conclusion, mesdames et messieurs, la Fondation Félix Houphouët-Boigny est convaincue de la nécessité de coopérer pour construire la paix. Je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension, non pas ivoirienne, à la mesure de ma modeste personne. Soyez plus ambitieux. Donnez-lui une dimension internationale. Demandez à tous ces chercheurs, appelez même les prix Nobel de la paix, qu'ils viennent se réunir ici. Dieu vous aidera à gagner la vraie bataille, la bataille pour la paix qu'il a préconisée, qu'il a promise aux hommes de bonne volonté, à tous les hommes. Fin de citation. Je vous remercie. La chaîne vue comme à travers une paire de lunettes qui recherche la paix. Est-ce qu'une institution de la violence peut enseigner la paix? Est-ce qu'un homme violent peut atteindre la paix? Je pense que c'est une préoccupation qui doit nous habiter jusqu'à ce que nous-mêmes nous changeons. Alors, je vais juste identifier les valeurs de la culture de la paix et montrer comment on peut enseigner, éduquer à la paix
et enfin dire le profil, indiquer le profil du citoyen engagé, c'est-à-dire que les enfants qui vont sortir de nos écoles éduqués de telle manière, eh bien, on aura tel produit qui sortira de cette école-là. Ensuite, alors, quelles sont les valeurs de la culture de la paix? Avec le professeur Lézou, lorsque j'ai commencé ces recherches sur la culture de la paix, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'était au niveau des valeurs. Parce que qu'est-ce qui se passait? Pratiquement dans la plupart des ouvrages ou des experts qui disaient si on veut éduquer à la paix, si on veut changer notre monde, il faut éduquer à la paix et aux droits de l'homme. Il y a d'autres qui vont dire qu'il faut éduquer à la paix et à la tolérance. Donc, en tant que chercheur, je ne voyais pas très bien comment on pouvait être efficace en allant dans des directions aussi opposées. Et donc, j'ai commencé par identifier les valeurs à partir de la définition que l'UNESCO donne de la culture de la paix et de la revue de la littérature. Et ça nous a donné... Oui? Bon, je vais donner la citation, la définition de la culture de la paix selon l'UNESCO. Une culture de la paix consiste en des valeurs, des attitudes et des comportements qui reflètent et favorisent la convivialité et le partage fondé sur les principes de liberté, de justice et de démocratie, tous les droits de l'homme, la tolérance et la solidarité, qui rejettent la violence et incline à prévenir les conflits, en s'attaquant à leurs causes profondes et à résoudre les problèmes par la voie du dialogue et de la négociation, et qui garantissent à tous la pleine jouissance de tous les droits et les moyens de participer pleinement au processus de développement de leur société. Alors vous voyez, c'est tout un programme. Comment un enseignant peut-il utiliser une telle définition pour enseigner la paix à l'école? Ce n'est pas évident. Alors, les valeurs que nous avons identifiées à partir de tout ça, la première valeur, c'est la démocratie, le respect du droit, le respect des droits de l'homme, la non-violence, la tolérance, la solidarité et la protection de l'environnement. Donc, ce sont les 7 valeurs et c'est à partir de ça que nous pouvons justement enseigner. Ensuite, alors, la seule question, ou l'une des rares questions que j'ai posées, qu'est-ce que vous voyez là? Un trésor. Oui. Ensuite, votre bijou, un trésor. Saviez-vous qu'il y a un fabuleux trésor dans chaque pays? Ce trésor est si précieux qu'à bien des endroits dans le monde, des gens luttent pour l'obtenir. Dans d'autres pays, les citoyens l'ont apporté de main. De quoi s'agit-il? La paix. La démocratie. Vous voyez, les deux vont de pair. S'il n'y a pas de démocratie, il n'y aura pas de paix. Ensuite, ce trésor, c'est la démocratie. Alors, la démocratie, quand on demande généralement aux séminaristes, aux personnes qui suivent ce séminaire de formation à la paix, qu'est-ce que la démocratie? Très souvent, c'est la définition que nous avons apprise par cœur à l'école. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Sous toutes les latitudes, ça sort. C'est ce qu'on retrouve comme définition. Est-ce qu'on est capable de traduire ça dans notre comportement? C'est pas évident. Nous en avons une connaissance théorique, mais traduire cette valeur dans notre comportement, puisque nous avons fait un apprentissage théorique de la démocratie. La démocratie, c'est une façon de vivre selon laquelle toutes les personnes sont libres et égales entre elles. Le pouvoir appartient alors au peuple et non à quelques personnes qui décident tout sans jamais rendre compte aux autres. Et cela, c'est vraiment précieux. Les élections dans un pays, c'est une façon de mettre en pratique la démocratie. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Bon, on peut passer plus sur tout ça. Le droit. Alors, j'ai analysé les manuels scolaires du primaire à une certaine époque. Et on voit que la démocratie comme le droit sont des valeurs complètement absentes de nos manuels. C'est maintenant qu'on est en train de les intégrer. Alors, comment peut-on demander à un citoyen d'être respectueux des lois s'il ne sait pas ce qu'est la loi? Il n'en a aucune sensibilité, pas de culture juridique.
Comment on peut demander à des gens d'aller à des élections s'ils ne savent pas ce qu'est la démocratie? Ils n'ont aucune culture démocratique. Vous voyez, tout ça explique ce qu'on connaît. Alors, je crois qu'on peut passer sur les définitions du droit. On dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Et pourtant, en Afrique, les citoyens n'ont eu aucune éducation au droit. Les droits de l'homme. Alors, à la faveur, je ne sais pas comment dire, avec tout ce que nous avons connu pendant la crise, la guerre, quand on regarde pratiquement dans tous les discours, la question des droits de l'homme est à l'ordre du jour. Avons-nous une culture des droits de l'homme? Ça, c'est la question qui reste posée. Les droits de l'homme sont un ensemble de prérogatives que toute personne détient du seul fait de sa qualité d'être humain. Un système de protection destiné à nous préserver de la violence arbitraire et à éviter que nos besoins fondamentaux ne soient négligés. Créatures extrêmement vulnérables, les êtres humains ont besoin d'une certaine forme de protection. L'animal, le lion qui affamé, quand il verrait un troupeau de biches passer, eh bien, il attraperait une biche pour se nourrir. Et quand il sera rassasié, des centaines de biches passeront devant lui, il ne bougera pas. Mais l'homme est avide. Plus il en a, plus il est prêt à en avoir d'autres encore. Et cela est source de conflits. La non-violence. Alors, les partisans de la non-violence, je pense qu'on les a tous étudiés. Il y a Mandela, il y a Oufobani, il y a Mahatma Gandhi. Hein? Oui, Gandhi, Martin Luther King. Alors, la non-violence est une manière d'être et d'agir, fondée sur le refus de la violence et se présente comme un outil pacifique qui permet de construire l'harmonie entre les êtres en créant chez chacun la dignité et le respect profond de tous. La non-violence peut se traduire par des actes comme le dialogue, la résolution pacifique des différends, les manifestations pacifiques, etc. Mais tout ça, il y a un défaut d'apprentissage au niveau de nos pays. La tolérance. Je pose souvent la question de savoir, est-il facile d'être tolérant? Est-ce qu'il est facile d'être tolérant? Oui. C'est facile de le dire. Facile de le dire, vraiment. Alors, la tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'être humain. Oui. Elle est encouragée par la connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication et la liberté de pensée, de conscience et de croyance. La tolérance est l'harmonie dans la différence. Elle n'est pas seulement une obligation d'ordre éthique, elle est également une nécessité politique et juridique. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible et contribue à substituer une culture de la paix à une culture de la guerre. Donc, et la valeur solidarité a toujours été considérée comme une valeur africaine. Mais toutes les valeurs que nous avons présentées sont des valeurs universelles qui se trouvent partout, sur toutes les latitudes. La solidarité africaine, je ne sais pas, il serait intéressant aussi que les chercheurs repensent la solidarité africaine et ils verront que nous sommes dans des États modernes et qu'il est important de mettre en place des institutions justement telles que les assurances maladies et autres qui vont permettre justement aux populations de vivre un peu normalement. Sinon, ce sont les quelques personnes qui ont réussi, qui ont tout le poids de la société. Et ça aussi, c'est pas la peine. La protection de l'environnement, je ne vais pas insister, mais je crois que nous vivons au quotidien tous les problèmes d'environnement, que ce soit les conflits fonciers, que ce soit notre environnement immédiat, et notre comportement éco-citoyen qui n'est pas du tout, qui doit être encore amélioré. Et à ce niveau, il y a beaucoup de choses. Et il y a des attitudes préventives. Par exemple, quand on voit la question du plastique, des sachets plastiques qui nous envahissent, eh bien, si on ne prend pas des mesures dès maintenant avec des matériaux biodégradables, eh bien,
on va débourser beaucoup d'argent après pour trouver des solutions. Alors c'est cette valeur, je les regroupe dans ce schéma. Les valeurs de l'éducation à la culture de la paix, il y a les valeurs de la citoyenneté et les autres valeurs de la culture de la paix. Dans les valeurs de la citoyenneté, il y a une valeur politique, qui est la démocratie. Les valeurs juridiques, qui sont le respect des droits de l'homme et le respect du droit. Et dans les autres valeurs, il y a les valeurs sociales, qui se déclinent en non-violence, tolérance et solidarité. Et la dernière valeur écologique, qui correspond à la protection de l'environnement. Chacune de ces valeurs prises isolément est une culture de la paix. La culture démocratique est une culture de la paix. La culture des droits de l'homme est une culture de la paix. La culture juridique est une culture de la paix, et ainsi de suite. Comment éduquer aux valeurs de la culture de la paix? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il faut faire de l'apprentissage de l'éducation à la paix un enseignement théorique? C'est comme si je dis à un apprenant ce qu'est le bien, une définition théorique du bien, est-ce que ça suffit pour qu'il traduise cette valeur-là dans son comportement? Alors, je prends toujours ces images, parce que ces images, on dit une image vaut 1000 mots. Deux apprenants, un qui dit « As-tu compris grand-chose au cours ?» et l'autre qui répond « Je me suis fort ennuyé. » Nous avons tous vécu des situations semblables, mais ça dépend. Est-ce qu'on était distrait? Est-ce que le professeur ne parlait pas bien? Est-ce qu'il ne savait pas rendre son cours intéressant? Ça. Et ici, on se reconnaît. On ne voit que les têtes, c'est vraiment... Et le professeur, lui, il est en difficulté. Alors, ce qui est important ici, c'est de voir que les cours magistraux ou l'exposé, les apprenants se regardent par la nuque. Et la collaboration entre étudiants est pratiquement nulle. Et le professeur demande qu'on l'écoute, un point, qu'on l'écoute et tout mouvement est réprimé, depuis l'école primaire jusqu'à dans l'enseignement supérieur. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'apprenant un apprenant passif. Et c'est cet apprenant passif que nous allons trouver demain comme un citoyen passif dans la société, qui va attendre tout. Alors que dans la nouvelle perspective du LMD ou d'autres enseignements, on veut que ce soit l'apprenant lui-même qui construise son savoir, qu'il soit acteur de ce qu'il apprend. Et ici, saviez-vous qu'il existe d'autres formes de pédagogie? Il est trop petit pour poser la question. Alors ici... Vraiment. Et ici... C'est un professeur, une dame, qui donne un cours sur la démocratie. Elle dit, la démocratie, elle dit, remarque, deux points. La démocratie est un mode de vie et une forme de gouvernement, virgule, fondée sur l'égalité, virgule, la liberté et la dignité humaine. Point, virgule, elle interdit les peines ou traitements inhumains. Point, blablabla. Et puis le cours continue. Et dans les minutes qui suivent, le même professeur qui enseigne la démocratie dit, et maintenant, taisez-vous et écrivez où je vous mets des mots, des notes que vous ne serez pas prêts d'oublier. Hein? Voilà. L'exemplarité n'est pas traduit soi-même ce qu'on enseigne dans son comportement. Vous voyez? Et ça, ça crée des confusions chez les apprenants. Alors, le petit qui dit, si je fais comme mon père, je passe malgré tout. Qu'est-ce que son père a l'habitude de faire? Il ne respecte pas. Voilà. Ensuite, c'est toi, fiston, qu'as-tu appris à l'école aujourd'hui? Et le fiston, il est dans quel état? Maltraitance. Il est dans tout. Et le papa ne le voit pas, il a le journal. Et ça fera demain quelqu'un de terrible. Après la violence, la nuit à l'école, qu'est-ce qu'on fait? Plus rien à casser, on s'ennuie. Est-ce que nous n'avons pas vécu ces situations? Là où il y a l'échec scolaire, il n'y a pas la paix. Donc, on doit opter plutôt pour une pédagogie de la réussite. Tiens, un élève qui s'ennuie. Effectivement,
les apprenants qui doivent vraiment apprendre, qui sont motivés, n'ont pas le temps de lancer quelque chose au professeur. Alors ici, c'est un autre cas de figure. Le petit qui dit, monsieur, est-ce qu'on peut débattre à l'école? Et l'enfant et le professeur qui répond, nous allons en débattre. Et il se met au milieu des apprenants. Alors, là, le débat, le citoyen, c'est celui qui peut prendre la parole. L'enfant est sujet de droit, il a droit à la parole. Il doit participer à la prise de décision sur les choses qui le concernent dans son établissement. Et cet élève citoyen qui sera demain un citoyen aussi qui va participer à la vie de la nation. Donc l'apprentissage se fait très tôt. L'école est comme une sorte de laboratoire d'apprentissage de la démocratie. Parce qu'on apprend la démocratie par la démocratie. Alors, la démocratie suppose le débat, donc le temps de penser, de s'exprimer, d'entendre et de comprendre des avis contraires, de chercher des compromis. Le débat n'est pas la controverse pour la controverse. Le débat, c'est un espace où chacun peut dire librement qu'il a des doutes, qu'il n'est pas convaincu, qu'il voit autrement le monde, qu'il a un autre projet, par exemple. Et cela s'apprend. On a vu des cas de figure où ça s'est terminé par des insultes ou la violence physique. Intégrer le domaine vivre ensemble et citoyenneté à son enseignement. Et ça, ça va dans le cadre du LMD. Oui? Bon, ça, c'est apprentissage coopératif, comment on a pu mettre des enfants ensemble pour travailler. Et au niveau de l'université, on a fait l'expérience avec l'IFR des sciences médicales. Le grand groupe, on a brisé le grand groupe et puis constitué des petits groupes, des groupes de proximité, parce que les tables basses, on ne peut pas les faire viser. Donc, c'est des choses qu'il faut faire. Le jeu démocratique, on passe. Alors, comment instaurer une culture démocratique avec des jeunes qui n'ont pas en partage cet héritage? De nouvelles façons d'enseigner et d'apprendre s'imposent. La participation à la vie de la classe et de l'établissement prépare le jeune dans le présent à son futur rôle de citoyen. Le temps de participation et d'exercice de la démocratie doit être compté comme des heures de travail au même titre que les heures de cours, de laboratoire, d'études, de travaux pratiques, d'enquête sur le terrain ou de travail dans un centre de documentation. Ce moment consacré à l'apprentissage du vivre ensemble contribue à instaurer un climat apaisé au sein de la classe et de l'établissement. Alors, Jean Jaurès, dans une lettre adressée aux instituteurs dans la dépêche de Toulouse en 1888, disait ceci. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils seront citoyens et doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits et quels devoirs cela leur impose. Voyez, malheureusement pour nous, à l'école, depuis les années 60 jusqu'à maintenant ou avant, c'est une école qui ne sait pas, il n'y a pas eu de réforme de l'État. Alors, le choix des méthodes actives et participatives, ces méthodes qui visent à apprendre à vivre ensemble dans une société démocratique, permettent de résoudre les conflits de manière non violente, d'argumenter et de défendre son point de vue, d'entendre, comprendre et interpréter les arguments des autres, de reconnaître et accepter les différences, faire des choix, de considérer des alternatives et les soumettre à une analyse éthique, d'assumer des responsabilités partagées et d'établir avec les autres des relations constructives et non agressives. L'importance des valeurs de la culture de la paix dans le processus de réconciliation. Alors, si nous voulons aller à la réconciliation, nous devons partager les mêmes valeurs. La Côte d'Ivoire sortant des conflits violents, le plus grand défi que nous devons relever est de promouvoir l'esprit et des attitudes de tolérance et d'ouverture auprès des citoyens et des communautés brisées. D'où la nécessité d'une éducation à la réconciliation, qui est une composante de l'éducation à la paix. Ensuite, l'éducation à la réconciliation, que signifie cette éducation?
cette éducation, il s'agit d'un cadre éducatif destiné à favoriser la réconciliation des sociétés post-conflictuelles. C'est mettre en place des programmes scolaires et universitaires adaptés pour répondre aux conditions psychologiques, politiques, sociales et culturelles. Et je crois que le Rotary, avec son projet, peut prendre en compte cette approche qui vraiment cadre avec les besoins réels. Quelle que soit sa structure, il existe un certain nombre d'éléments fondamentaux dans le cadre d'un programme d'enseignement pour la réconciliation. Les thèmes de justice, de tolérance, de paix doivent être introduits dans le système éducatif. Nous avons fait au niveau de la Fondation une recherche systématique sur les concepts clés de la réconciliation. Et quand nous avons présenté ces concepts-là dans les séminaires, les gens étaient beaucoup plus rassurés et ils ont vu comment on peut aller à la réconciliation. Par ailleurs, l'éducation à la réconciliation peut se faire également par des ONG et des associations. L'engagement citoyen et le processus électoral. Nous sommes actuellement en période électorale puisqu'il faut élire les maires. Qu'est-ce que l'engagement citoyen? L'engagement citoyen, c'est l'investissement du citoyen dans sa ou une communauté d'appartenance, dans le sens des intérêts communs, selon des valeurs communes, pour une cause à laquelle il accorde de la valeur. Pourquoi est-il important de voter? Il est important de nous servir de notre droit de vote. C'est notre façon de donner notre idée sur ce qui se passe dans la société. Si nous ne le faisons pas, comment voulez-vous qu'on tienne compte de notre opinion? Alors, actuellement, il y a la campagne. Le débat national sur des questions d'intérêt public afin de trouver des solutions appropriées et de faire progresser la société. Si un candidat présente son programme, c'est qu'il veut changer quelque chose. Alors, pour arriver à ce stade où on va aller voter, effectivement, il y a un parcours à faire. Vous voyez le monsieur avec son bulletin, c'est pas évident. Ensuite, quand on arrive à ce stade du dépouillement, c'est une paire de la manche, c'est pas évident aussi. Tous les conflits peuvent être là. Alors, il est important dans ce cas de stimuler le vote des jeunes et des enfants par l'éducation à la citoyenneté démocratique. Et cela commence depuis le berceau. Construire de nouveaux savoirs avec les apprenants à partir de mises en situation diverses. Ici, vous avez des enfants, le vote à l'école maternelle. Il y a un officiel qui vient avec lui et qui explique aux enfants comment il faut voter. Et pourquoi avec tout. Voici la simulation, mettre le bulletin dans l'urne. Le décompte des voix avec la maîtresse. Tous ces apprentissages-là se font. C'est comme les parents qui vont à l'église ou à la mosquée avec leurs enfants pour leur donner justement la culture de la religion. Oui. Un électeur en œuvre. Passe. Ici, à la Fondation, avec le Parlement des jeunes, nous avons fait une simulation de vote. Ensuite, la démocratie est une pratique. Si elle se fie des valeurs qui peuvent se transmettre, elle est essentiellement un mode d'action. C'est en l'appliquant qu'on la justifie, c'est en s'en servant qu'on la légitime. Federico Mayor. Ensuite, allez, oui. Alors, ce poème résume tout ce que nous avons dit. L'enfant apprend ce qu'il vit. Ensuite, s'il vit dans le reproche, il deviendra intransigeant. S'il vit dans l'hostilité, il deviendra agressif. Oui. S'il vit dans la dérision, il deviendra timide. S'il vit dans le refus, il sera sans confiance. Oui. S'il vit dans la sérénité, il sera plus équilibré. S'il vit dans l'encouragement, il sera entreprenant. S'il vit dans l'appréciation, il sera plus compréhensif. S'il vit dans la loyauté, il sera plus juste. S'il vit dans la clarté, il sera plus confiant. S'il vit dans l'estime, il deviendra plus sûr de soi. S'il vit dans l'amitié, il deviendra un ami véritable pour son monde. Ce ne sera pas comme l'enfant martyrisé et le père qui... Voilà. En conclusion, comme le disait Félix Houphouët-Boigny, la paix ne doit pas être un slogan, ni un symbole abstrait, ni un vœu pieux. La paix ne doit pas être non plus considérée comme un don. Elle se construit patiemment dans la vérité, dans la liberté, dans la justice et dans la solidarité. Je vous remercie. Je
Je suis le pasteur K. Brivas-Lucien, le secrétaire permanent du Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Alors, en venant ici, quand j'ai vu ce matin le thème, la paix aussi, je me suis posé des questions. Pour dire, est-ce une question ou même une affirmation? Si c'est une question, tous les séminaristes, nous allons débattre, sortir quelque chose pour montrer les voies, comment la paix, qu'est-ce qu'on va ajouter pour que ça soit possible. Maintenant, si c'est une affirmation, qu'on nous donne les moyens nécessaires pour l'accompagner. Bah, tout à l'heure, Madame la présidente de Rotary, elle a dit la paix, c'est l'absence de troubles et de conflits dans son exposé. Pourquoi nous savons très bien que la paix, c'est l'absence de troubles et de conflits? Pourquoi nous, les humains, nous-mêmes, nous créons des conflits? Par l'injustice, par le non-respect des droits de l'homme, toutes ces choses-là. Pourquoi? Et comme a dit tout à l'heure le professeur Bamba, qui a dit la paix, c'est une, c'est comme c'est la religion. Et j'ai l'impression que, pratiquement, la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, nous ne connaissons pas notre histoire. Si nous connaissons notre histoire, on n'allait pas venir à ce qui s'est passé. Parce que j'ai dit tout à l'heure, dans la salle, j'ai dit, je cherchais un Sénoufo. Je cherchais un Yakuba. Je cherchais un bourreau. Il y a deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je voulais poser cette question à tous ceux-là. Qu'est-ce qu'avons-nous fait avec l'alliance qui nous réunit ici? Et surtout revenir aux hommes de Dieu, aux religieux, aux chefs traditionnels. Quelle est l'implication? Pourquoi l'implication a manqué à ce moment-là? C'est eux, la tradition et la religion. Nous étions où? Pour que cette guerre arrive en Côte d'Ivoire. Vraiment, je voudrais aussi que vous me pardonnez pour. Parce que je voulais sincèrement qu'on parle d'une question, la paix est-elle possible? Nous allons débattre ça. Mais avec ça, la paix est possible, c'est bien, c'est possible, tout le monde sait. Mais posons-nous la question, la paix est-elle possible en Côte d'Ivoire? Si oui, nous allons en débattre. Je vous remercie. Je voudrais dire merci à Dr Guéné Bagundia pour tout ce qu'elle a partagé avec nous tous. Mais j'ai deux petites choses à demander. D'abord, dans tous les exposés que j'ai entendus, il y a deux mots que je n'ai pas entendus, le mot vérité et conversion. Je ne vais pas parler de la vérité et de la conversion de la personne humaine. La deuxième chose que je voulais demander, c'est que dans la formation à la culture de la paix, est-ce qu'aujourd'hui nos cultures africaines ne peuvent pas nous aider à réaliser ce projet? Je vous remercie. Merci, mon père. Je vais rester qui écouter, mais comme vous donnez des instructions, je vais suivre. Dans tout ce que nous avons, le peu que nous avons suivi jusqu'à présent aujourd'hui, personnellement, j'ai constaté une chose. C'est que, enfin, deux choses, plutôt je voudrais souligner. D'abord, dans les interventions de Pierre Général, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'accent mis sur l'école. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est les enfants qui doivent faire la paix? Et nous les autres, nous les grands? Pour nous, c'est trop tard. Ce que j'ai retenu de très positif dans ça, c'est que la paix, c'est un processus d'éducation. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider ici au cours de cette colloque ou bien de ce séminaire. Et puis bon, on va annoncer demain, bon, il y a la paix en Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Nous avons vu que c'était pas ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous devons éduquer nos enfants. Nous devons aussi nous éduquer à travers toutes les bonnes choses que nous avons entendues aujourd'hui et aussi à travers les idées et les idéaux nobles que les sages ont voulu bien partager avec nous, des sages tels que vous faites Boigny,
tels que Gandhi, tels que Nelson Mandela, Luther King et beaucoup d'autres. Donc ça, c'est une première remarque, avec votre permission. Et deuxième remarque, que je devais faire en premier parce que ça concerne Madame Camara. Je voudrais commencer par une anecdote. Docteur Oppenheimer, il était le premier, disons, le grand physicien qui supervisait la première construction, la première fabrication de la première bombe atomique aux États-Unis. Et il présentait le projet au Congrès des États-Unis devant ce qu'on appelle les congressmen, c'est-à-dire les députés. Quand il présentait le projet de bombe atomique sur l'humanité, un des députés a dit, bon, est-ce qu'on peut poser une question? Il a dit, bien sûr. Il a dit, est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a une manière de défendre, de se défendre devant cette terrible bombe? Docteur Oppenheimer a dit, oui, bien sûr. Et il a dit, c'est laquelle? Il a balayé la salle comme ça par son regard, tout doucement. Après, il s'est approché du micro. Il a dit, la paix. C'est le seul moyen d'éviter la guerre. Ce n'est pas en inventant d'autres guerres que nous pouvons éviter la guerre. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui pensent que bon, il faut la guerre pour établir la paix, pour défendre la paix. Il faut des armements pour empêcher la guerre. Or, ce que nous avons retenu de l'intervention de Madame Ramata Camara, c'est que pour éviter la guerre, il faut aller dans le sens opposé, il faut aller dans les actions de la paix, il faut aller dans les actions positives, dans l'éducation. D'où vraiment je voulais saluer le thème de ce forum, qui est la paix par l'éducation, la paix par l'école. Et des actions telles que des actions humanitaires, très simples. Hein? Aider les gens, parce que c'est la pauvreté, on sait que c'est la pauvreté, c'est la misère qui est à la base de plusieurs...